Lundi 24 septembre 2018, bzz, bzz, mais quel est ce bruit? Ça buzz sur les réseaux sociaux de Game One? Les abeilles sont en voie de disparition, pas les bourdons, surtout le genre transformable. Bumblebee s'offre un trailer, Game One relaie la vidéo. Ça like et ça partage un peu, ça commente beaucoup, négativement surtout. Les abeilles sont décidément moribondes. En cause, le ras-le-bol d'une licence surexploitée et qui n'apporte rien de neuf, comme le dit Clément. Cela dit, le dernier Transformer a les chiffres pour lui. 600 millions de dollars de recettes générées dans le monde. Moins bien que les deux précédents films, mais quand même. Et un peu décevant sans doute par rapport au budget initial de 217 millions de dollars. Avec Bumblebee, on réduit les dépenses. 70 millions de budget et pas de Michael Bay. Bien vu Brian, qui note quand même que ça reste américain à mort. Mais qu'il y a John Cena, donc c'est bien. Bien, bien, ça reste à voir. Côté scénario, on est en 1987, avant la saga officielle. Bumblebee est découvert par une ado dans une décharge. Est-ce la naissance d'un héros? Oups, mauvaise formule, tu as raison Mike. Bumblebee l'est depuis bien avant 1987. Et la cohérence dans tout ça? Y en a-t-il jamais eu, me direz-vous? Tiens d'ailleurs, vous en pensez quoi?